Incroyable. Écoute, je te propose, parce qu'on a encore une petite quarantaine de minutes, si tu veux, on peut faire des quêtes annexes. On a pas mal de choses à faire au village. On peut. Que je pense que si on engage vers le nord, on en a pour un peu plus d'une heure, vu qu'à chaque fois on met un épisode presque pour moi. J'ai fait ici. De toute façon, l'un ou l'autre, hein, parce que à chaque fois c'est des mini-quêtes pour arriver jusqu'au donjon avant que le donjon se lance. Donc... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais d'abord, dépenser la thune. Hein. Fait. On dit... Je laisse dépenser en premier. La quantité des dégâts bonus. Ok, arbre de compétence, pétancé. Oui. Est-ce que tu veux encore acheter quelque chose? Je vais acheter de la vie, mais tu voulais aller ici du coup? Ouais, bah écoute, vu que j'y suis. Ah, bah non, c'est parti. Quoi, je vais compléter ça. Voilà. Parce que c'est vrai que le renvoi des projectiles, c'est ce qui a facilité les choses, hein, on va pas se mentir. Casse les balles molles d'un coup d'épée. Ah, c'est ça ton truc! J'en ai deux, t'as déviation de balles, c'est dévie les balles magiques d'un coup d'épée, c'est au début en bas. Début en bas. Et j'ai fracas de balles aussi pour fracasser les balles molles. Mais là, c'est surtout la déviation de balles magiques qui a joué en notre faveur. Notre étalé. Eh oui. Ah, ça fait une vision à la Zelda. J'ai vu tes sous, ils ont fait moins 3000. Ah, il y a des dégâts de... N'oublions pas qu'il nous faut des noyaux électriques. Je sais pas où on peut avoir les mobs en question qui ont ça. Ah, je sais pas non plus. Mais c'est vrai que ce serait bien si on pouvait se rouler une pelle, attends. Quoi. Attends, on a un bestiaire, on peut checker. Mais il est vrai. Parce que ce bestiaire, on n'utilise pas. Alors qu'on se bat pour le remplir. Livrer les mobs. Livrer. On peut se livrer à d'incroyables activités. Et... Je ne vois pas le mob en question... Ah, il est entre le rampant et le Vurmulon, le petit poulpe qui devient électrique là. Mais on l'a jamais livré. Poulpe qui devient électrique. Ah oui, bien vu. Bon, on l'a croisé une fois ça, c'est dans le tout premier C'était dans le premier donjon qu'on le croisait. Tu penses qu'il faut qu'on retourne dans le donjon? Je pense. Hein. Mais parce que en vrai, tant qu'on n'a pas la pelle, on peut pas avoir ta classe, etc. Hein. Oui. En vrai, moi ce que je te propose, on va checker rapidement les quêtes là, et ensuite on va se rapprocher du premier donjon vu qu'il est juste à côté. Ouais, ok. Et bah go quoi. On parle au gars qui avait le point d'exclamation du coup Le fermier, ouais. Ouais, tu veux peut-être t'acheter de la vie du coup? Ah non, t'as acheté d'autres trucs avec tes jambes du coup. Ah attends, ici. Oh, quête qui apparaît. Bonjour. Ah bah c'est sûrement pour nous dire la prochaine quête de l'histoire. Ah bien vu. Plus en plus de gens, on va l'emménager à Intoli. Ah bah voilà. Ah des villageois. Je peux bâtir davantage d'habitations, mais tu te charges de l'urbanisme. Indique-moi juste où commencer mes constructions. Ah, des maisons. Ok, bah je peux en acheter une. Ah bah bravo. Bah écoute, let's go. Let's go, je finance. Ah, oui. Écoute, on va financer comme ça une deuxième maison. Alors, à quoi ça sert les habitations concrètement du coup? Bah à propager déjà la joie dans le monde, parce que ça fait moins de personnes qui doivent vivre dans les forêts pleines de monstres. Il a installé deux maisons. Ah, on a découvert des nouveaux meubles aussi, avec ça. On peut plus. On peut plus. Alors attends, qu'est-ce que ça a fait? Ah, comme ça, on peut aller voir les gens dans leur maison et faire ah, bah alors, vous êtes contents, ouais? C'est nous qui avons les. Vous savez quoi? Je suis monsieur le maire. Ah, il y a une quête du côté de la vendeuse de fioles aussi. En fait, on peut juste tout casser chez eux, quoi. Mais s'asseoir sur une chaise. Quoi l'intérêt concret? Bonjour! Vous avez vraiment construit un bel endroit. Mes compliments à Griff. D'abord, un plaisir. Alors, je pense que c'est vraiment pour remplir l'espace. Ouais, mais ça aurait été bien que t'aies un apport, genre plus de matériaux, plus de trucs, plus de ceci. Ah oui, il y a une quête ici. Prenons les quêtes. On est jamais venu ici. Mais non, on l'a construit avant d'aller dans le donjon. C'est vrai. Ah, tu vas adorer avoir un lieu où préparer des potions en ville. Commençons par les potions de santé pour tenir un peu plus longtemps dans les donjons. Voici du fil provenant de mes anciennes robes de préparation. J'ai entendu dire qu'il pourrait être utile. Oui, c'est l'une des classes, incroyable. Le fil de sorcière. Incroyable. Du coup, ah ok. Donc, ah c'est avec des morceaux de monstres aussi. Il faut des ressources. Incroyable. Santé, magie, vitesse, okay. Mets du peps dans ta démarche, 20%, ok. Force pour faire plus de dégâts, acier pour subir moins de dégâts. Et pousser pour avoir plus de récupération. Écoute, moi j'ai traditionnel, j'ai fait une potion de santé. Hein. Ça, je l'ai. C'est vrai que t'es plutôt tradi, toi. Ouais.
Mais limite, j'aurais dû faire du mana. Ok, bah sympa. Je suis en train de faire une popo. Perso courir sur place. Voilà, j'ai une petite popo de santé aussi. Ok, Bandai. Je suis très content. Est-ce qu'elle se met dans les objets raccourcis? Oui, elle se met dans les objets raccourcis, du coup. Ouais, parce qu'en fait, ça remplit ta fiole. Bah, ma fiole. Fiole. Il y avait, là, du coup, c'est... il est où le vieux, là? Il est juste à côté de la carte. Attends, je sais juste de me rappeler. C'est quoi ici? C'est stamina. Oh, ça, mec, c'est l'endurance. À un moment, il faudra le faire, ça aussi. Hein. Ah bah moi, j'ai déjà commencé. J'ai les trois premiers qui sont full. D'accord. Ok. Alors, Nick. Ah bah toujours pas assez de souris, je suppose. Sur le coup, j'ai pas tilté que tu parlais du perso. J'ai senti une certaine rage. Ah oui, d'accord. Nick. Niquez-vous. Okay, non, mais faut vraiment qu'on aille chercher des noyaux électriques. Oh, des glands. Ah bah, oh, un papillon. Il y a une demoiselle aussi. Ah bah oui. Demoiselle d'abord. Allez. Je t'en prie, héros. Griff m'a dit que tu étais quelqu'un de fiable et j'ai désespérément besoin d'aide. C'était le rêve de mon petit ami, Hank, il a 6 ans, de naviguer vers ta souille. Mais nous sommes échoués sur la côte. Je ne l'ai pas vu depuis notre naufrage, mais je sais qu'il me cherche là dehors. Ah. Je t'en prie, héros, aide-moi à trouver mon Hank. Je suis sûr qu'il n'est pas du tout avec 5 autres personnes tranquillement en train de se faire un RM. Tout à fait, à la taverne du coin. Bien sûr. Pardon. Salut, je ne veux pas être désagréable, mais ce lopin de terre a été bien triste allure. Ferme-le. Arrête de me regarder comme ça, toi, d'abord. Oh, d'accord. Sûrement moyen d'en faire quelque chose, mais il faut que tu t'en occupes. Le fermier, mais j'ai la flemme. Eh, comment ça, t'as pas d'outils d'agricole? À moi. Maintenant que tu le dis, je suis passé devant une vieille grange à l'est d'ici. Mais la porte était fermée par la rouille. Oh non. Essaye de fracasser le bousin. Mais je veux te dire, cette porte était plus têtue qu'un brouteur grincheux à l'heure du déjeuner. Ah, on y est déjà passé, c'est... Oui, et il fallait le marteau. Ouais, c'est ça. Si t'arrives à y rentrer, je pense que tu pourras trouver quelque chose pour t'aider à retaper ce lopin de terre. Va te falloir une pelle et un arrosoir. Oh, et prends ce sac de graines, avec ça, tu peux récolter des graines de n'importe quelle culture. Mais il nous faut la pelle. Bordel. Peu. Mais avec un peu de chance, on peut aller à la ferme et voir si c'est pas une manière alternative de choper la pelle aussi. Dans tous les cas, fallait qu'on y aille. Nous a filé une quête concrètement, j'ai pas vu. Je sais pas, attends, je bute juste lui là, voilà. Oh le mec il a fait 109. quête annexe. Terminé. Trouver le petit ami de Julia, obtenir des outils agricoles. Lui il nous a filé une quête. Dans les quêtes annexes. Terminer le mausolée, c'est la quête pour ma classe. Collecter toutes les classes, c'est un truc de fil rouge. Collecter des champignons et peut-être un autre truc de collecter, c'est pour les fioles. Trouver le petit ami de Julia, c'est la petite qui nous a dit « Ah, trouver mon Hank !» Et obtenir des outils d'agricole, c'est ce que nous a donné le vieux à l'instant. Le fermier. Tu peux pointer une quête? Tu peux dire déjà, genre on focus cette quête-là? J'aurais aimé te dire oui, mais j'ai l'impression que non. La réponse est non. Bien que j'adore pointer. Quoi? D'accord. Très bien. Vous serez passé de cette réponse. Ah bah vous allez devoir faire avec, monsieur. Parce que je fais du 110. Très porté à l'épée. Quand je fais un coup critique. Oh, on récupère tous les trucs de slime qu'on n'avait jamais eu l'occasion de récupérer avant. Aïe! Oh, on en avait déjà avant. Par contre, on les one-shotait pas. Hein. Clairement, on a... Il y a un trou en haut à gauche, mais on a encore pas la peine. C'est par où la ferme? Je te suis complètement là. T'inquiète. On y va. Go. La ferme elle est à peu près par là, mais je crois qu'à un moment faut monter puis descendre. C'est trop mignon ce truc à aller chercher là. Ce petit dandinement de. Ah, ça c'est le mausolée. Ce petit dandinement de la tête des persos quand ils marchent là. Ça me bute. Oh, par là. Ouais, ce sont qu'elle avoir une puissance. Je sens l'appel de la nature. Une pierre de bord de champ. Oui, ça c'est pour la quête du mausolée. C'est pas par ici? Non, c'était juste à côté du donjon en fait. Juste en dessous du donjon, donc techniquement ça devait être en haut là. En haut là. Ça ouais, c'est juste presque. Une maison. Ah oui, ici. C'est là. Bravo, marteau. C'est sûr que c'est le marteau? Tu sais que c'est le marteau? Marteau? C'est pas le marteau. Ah merde, j'étais persuadé. Un coup porté à... Ah non, un gant. Un gant. On n'a pas de gant. Faut pas, hein. Y'a rien. Bon bah c'est pas pour maintenant. Au fait, du coup la vision magique elle sert à quoi là? Bah pour le... Dans le donjon ça servait à revoir le pont lorsqu'il n'était pas brisé. Et ça d'accord mais... Et ça permet du coup de passer sur le pont qui n'est pas brisé. Donc c'est, ah, donc, c'est tu vois, un... Je l'ai activé. C'est un clé-porte en fait. Faut que tu te retrouves dans une situation où il y a un objet spécifique qui va être reconstruit par la magie.
Et derrière, ça te permettra de passer, par exemple, des trucs comme ça. Quoi. Ok, ah, attends, parce que là, du coup, on se dirige vers... Oh, attention, on n'a jamais, jamais activé. Veut, Bon, allons chercher des... Feuilles électriques ? Des gélules, là, ouais. Des gélules. Qui raconte ? L'industrie pharmaceutique des donjons, bien sûr. Let's go. Bon, par contre, ils vont nous dépouiller, hein. De, oh, nos, de nos gemmes, mais bon. Mec, au pire, on en a 150, tu sais. Par contre, du coup, là, on va gagner quoi, 150 ? Bah, on va pas gagner grand-chose, oui. On est pas là pour ça, on a tout le tuto d'un coup, là. Parce que c'est branché au premier donjon, je pense. C'est pas branché sur ta progression. Bah, alors, perso, je viens d'avoir la 6ème, elle. Ah bah, bravo. Donc, je suis à ça d'avoir une pelle. Ah, je suis vraiment à ça. Ouais, c'est ça. Ça te fait quoi de one-shotter les monstres ? C'est plaisant. Ah, c'est quand même vachement sympa. Ouais, je les tue juste pour le plaisir. Okay. Et du coup, on se posait la question, mais oui, on peut... On peut revenir dans des donjons. Hop là, voilà. Mais du coup, à partir de là... Bah, faut qu'on trouve les salles avec... Ouais. Tomber sur... Eh, tout à fait, monsieur, oui. Ah, c'est où, la suite ? Bah on a la carte de l'étage, j'ai l'impression, parce qu'on a déjà des cases à l'avance. Oh. Oui, on a la carte. Ah bah c'est eux. C'est eux. Je les reconnais. À mort. Oh, il en fallait pas beaucoup, hein. Ah. On a eu un. Ok, ok. Alors ne tue pas le machin du milieu, il en génère. Ah, d'accord. Bien wesh. Bien wesh. On farm. On farm. On farm. Vas-y, un chacun. Eh bah ça va être rapide. T'as combien d'ailes de chauve-souris ? Je sais pas, attends, je vais dans le menu. Où est-ce que tu vois ça ? Dans... Butin de monstre. Inventaire, butin de monstre, c'est ça. Et ça ressemble à quoi ? Ah oui, ça voilà. S'appelle juste L ? Juste L, c'est ça. Ouais, j'en ai 8, et j'ai 5 noyaux électriques. Ok, alors normalement, toi tu as assez de noyaux électriques, je crois qu'il en fallait 4. Moi j'en ai 3. D'accord, bah je te laisse prendre. Oh ouais. Dans le doute, monte à 6. D'accord. Bah je te laisse quand même prendre les deux premiers, on va dire, et puis enfin les 3 premiers, et puis je... Éteins. Oh merde. Cassé. Oh bah, oh bah... Il nous a déjà bien rendu service, hein. Merci à lui. J'ai les clés. Alors normalement, on peut gérer à partir de là, hein. Bon, ouais, là, si on meurt, c'est triste, hein. Mais du coup, on n'a pas le choix. Alors, comment ça se passe ? Deux. Pas le choix de mourir, là ? Qu'on peut sortir proprement maintenant qu'on a fait le champion ? Je sais pas, mec. Peut-être qu'il faut quand même aller au dernier étage et aller dans la salle pour sortir. Parce que tu sais, il y a un téléporteur à la fin. Dernier étage. Ah oui, il faut passer de l'autre côté. Bah attends, viens, on va vers le troisième étage directement. Ok. Mais toi, t'as pas assez de noyaux encore. À la limite, on peut se donner des objets. Donc si je me rappelle bien que c'était bien 6 et 4, dans ce cas-là, ouais. On a pile ce qu'il faut. Ouais. À partir de là, si on peut sortir, bon, on sort. Sinon, on peut sortir. C'est bon. bah, direction l'étage 3, allons péter des gueules. Eh oui. On mangeait des... Je sais pas si c'est rentable en vrai. Allez, je me pose la question parce que... Ouais, non, non, je pense pas. Autant qu'on garde les PO... Autant qu'on garde les PO pour le prochain donjon qui va nous donner race de thunes. J'avoue. Parce que là, c'est des 5, 2 et trucs comme ça. On va choper des 500 là, au prochain donjon. J'avoue. Non, parce que là, on a fait des donjons avec 7000 de moyenne, hein. C'est incroyable, mec. Ah. Que le prochain donjon, ce sera 10 000 minimum, hein. C'est ça. Wow. On dirait nope. Bravo. Oh, mais cette maîtrise de la téléportation. Je n'y croyais pas. Bravo. C'est par où la sortie, hein. Bonne question. On est dans une pièce. Ah, la sortie, elle était en bas à droite. On s'est un peu pris au jeu de la salle, là, je crois. Ouf. Ça ne peut pas passer. C'est là. Oula.
Ok. Par contre, les PO, ça fait plaisir. Par contre, les PO, ça fait plaisir. Puis mine de rien, on chope quand même assez de gemmes pour une petite amélioration quand on va revenir au village. Vite fait, hein. Bah, quand même, ouais, 500, ça va, quoi. Ouais. On est sur un engagement fiscal. Genre, tu vois, genre, stamina, typiquement, vu que t'as pas encore beaucoup monté, ça va coûter 100-200 les premières montées. Hein. Oh, tu vois, ça va te faire déjà quelques petits upgrades. J'ai pris le niveau 1, le niveau 2, c'est 300 quand même. Bah, tu vois, t'es déjà à plus de 2 upgrades. Youhou. Ah, mec, t'es content normalement, 2 upgrades. 2 upgrades pour Noël dans une pochette surprise des upgrades. Une pochette surprise des upgrades. Bon, c'est surtout un ensemble de petites récompenses sympathiques. Voilà. On se rapproche des 1000 quand même. Oh, 1000, qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça, c'est vraiment fils de bourge là. Ça y est, il sait plus d'où il vient. Hein. De ouf. Il y a 4 épisodes, genre il aurait jamais dit non à 500 et là, il est un peu drôle. C'est ça, c'est terrible. Oh ah, moi, je fais pop des coffres. Tu vois, je trouvais ça bâtard. Genre, vraiment, la descente de l'escalier, c'est un trou. J'avoue. En attendant, moi je vais pas pleuvoir de la maille. Pour rien. Il y a trop de trucs. Qu'est-ce qu'il dit? Par là. Jouer. Oh, je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus où j'habite. Et c'était de partout. Pas sorti. La clé de boss. Oh, oh c'est exactement bah c'est exactement la même manière de la récupérer. Alors attends. Peupi popu. Il faut que tu tombes sur le TP. Je tombe. Voilà, ici. Voilà, exactement. J'arrive ici. Voilà. Je vais ici. Je monte voilà. Ici. J'ouvre ici. Je tu prends ceci. Tu descends à droite, tu descends je descends à droite. Je monte à droite. Voilà. Ensuite, tu vas vers le haut. Je monte à droite. Je vais vers le haut. Bonjour à Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Planté Thierry. Appuie sur le bouton comme moi. Clac clac. Hop. Hop. Aïe. Bravo. Voilà. Ces petits slips n'avaient qu'à bien se tenir. Petit slip n'avait qu'à bien se tenir. Oui. Allez. Ah mais on est tombé dans une pièce unique. Rien à faire ici. Quoi, 46 ? Ah mais du coup... Alors attends, du ah, faut aller vers le bas... gauche-bas. Gauche-bas. Attends. Ici. On peut pour aller là. Oh, on peut bomber. Ah. Ah. On peut bomber. Ah non, t'as pas la clé. Ah, on peut bomber, j'ai des bombes. Moi aussi, j'ai des bombes. On peut bomber. Ah oui, merde, faut les lancer. C'est une première, qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh. Oh, bah, ils ont pris en compte le fait que dans l'inventaire on avait des bombes pour nous... Enfin le sac de bombes pour nous balancer un petit changement sur la salle, c'est rigolo. Pense? Oui. En vrai on en voyait déjà avant, juste on n'avait pas les bombes. Hein. Oui mais là c'était pour avoir la clé pour avancer quand même. Quand même. Okay. Aïe, aïe. Ah toujours aussi impatient hein, quand il y a de la bave. Quand il y a de la... Qu'est-ce qu'il raconte? Yes. On s'y impatient quand ça bave. la sortie... Mais attends, on peut pas tout sortir ici. Je crois que je crois qu'on est dans une salle unique. Hein. Bah oui, mais bon... qu'est-ce que je vous dise, moi? Merde, tu veux pas un truc? Ah si, non, il y a une porte. Une porte. Voilà. Oh, des poches. Salle bonus. Fait plaisir. Ok. Marrant parce que genre on farm bien plus que dans les autres. Et on a 1000 fois moins. Bah c'est aussi que ça va plus vite de farmer, c'est pour ça qu'on le fait quoi. Ouais, c'est parce que là le temps de faire un écran c'est le temps qu'on met pour battre un ennemi normalement. Donc, Mais regarde, on a 1800, la vérité si on avait fait une salle et demie dans le dernier donjon on aurait pu. Ah bah oui mais en même temps on prend beaucoup moins de risques en étant dans ce donjon que... En étant dans celui où on fait une salle. Par contre, tu as dit, troisième donjon, meilleur pour farmer. Bon. Bah attends. Ah vraiment, on recommande. Hein.
Moi j'ai mis 5 étoiles sur Yelp. Hein. Il m'énerve. Ah mais t'as envie de retourner au donjon 2 toi? Moi vous savez, retourner dans un donjon, c'est vraiment si on me le demande. Hein. Attends, où est-ce qu'on va là? En gros, la salle de boss c'est la seule où on n'a pas été. C'est incroyable. Sauf que... Il doit y avoir un passage secret. C'est pour ça qu'il n'y a pas le trait. Aïe. De retour. Putain, encore ici? Ah oui. Ah oui, c'est au-dessus. Oh. La clé du boss. Les pierres. On n'avait pas la clé du boss? Si, bon, si. Enfin, non, on l'avait pas. On a dû aller à droite d'abord. Littéralement, on a dû poncer le donjon. Oh bah mon gars, ça faisait longtemps. De ouf. Attends, c'est pas vu, toi et moi. Ah. Attends. Attends. Ah, ça t'a manqué ça, la hein. Pire attaque. Ah, vous, ça t'a manqué. Oh. Ouah. Merci, au revoir. Eh bah, c'était bien. Pourquoi déjà? Ah oui, la pelle. Oui, c'est vrai, on est venu pour se crafter une pelle quand même. On est juste venu pour une pelle. Que venez-vous faire dans mon temple, body? Bah nous, on a juste besoin d'un peu de bois pour faire et une pelle. Pourquoi me tuer, moi? Je ne faisais que mon boulot. C'est ça, je suis pas assez payé pour ces conneries. Oh, la sécu. C'est pas le même rythme. Je m'assurais de bien nettoyer. Le mec qui passe aspirateur dans le donjon et tout. Ok, donc on peut retourner en ville. Ah, tous ces morceaux de monstres là. Oh. Du coup, on va pouvoir pelleter le sol. Ah oui. Oh bah, un plaisir avant tout, quoi. Avant tout. Pour s'occuper de la ferme et tout. Attends, c'est moi, il y a une nouvelle quête. Où ça? Non. Là. Ah, c'est peut-être un villageois encore. Ah, à chaque fois, tu penses? Ouais. En plus, de gens veulent emménager. Vas-y. Oh, les gens. Et ben on va installer le gens des autres, alors fera des voisins. Je vois qu'on a été équitable, j'ai vu 51-49. Je tiens à être actionnaire majoritaire. Merde. Ces pourcents est très important pour moi. Je suis maire de plus de 1% que vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Appeler la police? Elle m'appartient. Nick. Tu vois, ça donne tout de suite un autre ton, hein. Ça. What the hell? Oh merde, non, pardon. Ça a été trop vite. Dis, toi, tu peux l'acheter normalement, moi, il me manque un élément. Ah, mais pourquoi j'ai pas la boutique? Merde, il a dit quelque chose d'intéressant? Non, c'est bon, il faut juste le pointer, il faut juste bien le pointer. Ah. Voilà. En gros, des fois, t'as pas la boutique. Vas-y, moi j'ai pas ce qu'il faut. Ah, oui. Faut le regarder droit dessus. Mec, c'était 6 noyaux électriques qu'il fallait. Alors, tu peux m'enfiler un, s'il te plaît? Oui, bah voilà, ce que j'allais te dire, c'est que moi, la classe ne m'intéresse pas. Vas-y, tu peux être un frère. Allez, un petit noyau. De toute façon, j'ai envie de te dire, on a fait le donjon, donc à partir de là, normalement... Le mec a abandonné l'appel, c'est bon. Hop, j'ai l'appel, une pelle robuste, employée pour labourer la terre et planter des cultures, mais qui pourrait également servir à déterrer des choses oubliées depuis longtemps. Je vais devenir fermier. Longtemps.